Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Je vous retrouve pour le petit rendez-vous habituel du dimanche pour vous présenter les lectures que j'ai faites dans le courant de la semaine. J'ai ce petit tas à vous présenter. Je vais commencer par celui-ci, Shades of Magic, que j'avais qui était ma lecture en cours de la semaine passée. Je vous en avais un petit peu parlé. J'étais plus ou moins à la moitié du livre. On est aux éditions Lumen. C'est écrit par V. Schwab. J'ai pu terminer, je l'ai terminé d'un coup, ça se lit vraiment très bien, ça se lit vraiment très rapidement. Au niveau de l'histoire, on suit le personnage de Kel, qu'on voit ici sur la couverture. Kel est un magicien particulier parce que c'est un magicien de sang. Et on apprend que c'est un talent vraiment très rare. Apparemment, il reste seulement deux personnes qui ont ce don. Et on apprend qu'il y a différents mondes. Qu'il y a différents Londres.
on a quatre Londres différents. Donc il y a le Londres gris où la magie n'est pas présente. On a le Londres rouge, le Londres dans lequel qu'elle vit, qui possède la magie, donc qui est un royaume assez riche pour le coup. On a le Londres blanc où la magie est pourchassée. Dès qu'il y a une petite once de magie, on tue pour l'obtenir. Et il y a le Londres noir. Le Londres noir, c'est un Londres de mort parce que la magie a en fait dévoré tout sur son passage. Donc suite à cet événement, le Londres noir a vraiment été coupé des autres mondes. On va apprendre aussi qu'il est interdit de ramener des objets, des artefacts d'un monde à l'autre, mais qu'elle a un petit vice de collectionneur. Donc depuis des années, en fait, il ramène des objets provenant des autres mondes jusqu'au jour où il va ramener un objet particulier qui est une pierre noire qui provient en fait du Londres noir. Donc c'est un objet qui est rempli de magie mais qui est également maléfique. Et là, évidemment, toute l'histoire va démarrer. Il va devoir rectifier le tir. Il va rencontrer une jeune fille qui provient du Londres gris qu'on voit ici sur la couverture qui s'appelle Lila. Le nom entier, c'est Delilah, il me semble. Et ils vont former un duo pour rétablir l'ordre des choses. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et il y a la suite qui existe. Je pense que pour l'instant, il y a déjà 3 livres qui sont sortis. Donc j'ai vraiment bien aimé l'histoire, par contre c'est un petit peu compliqué de bien comprendre, de bien situer tous les différents Londres, de se familiariser avec cet univers. Moi j'ai vraiment bien compris, réussi à bien tout fixer à partir de la seconde moitié du livre, mais ça m'a absolument pas gênée dans mes lectures parce que les événements s'enchaînent, c'est vraiment très prenant. La lecture est fluide, les personnages de Kel et de Lila sont vraiment attachants, ils forment un duo assez intéressant. Donc il y a du danger, il y a des choses qui se passent, ça bouge, c'est vraiment très très bien. Et la fin est intéressante parce que quand on termine le premier tome, ça pourrait en fait être une fin parfaite pour un one shot. On n'est pas frustré sur une suite. Après évidemment la suite existe, donc je vais sans doute poursuivre parce que j'ai bien aimé cet univers, j'ai bien aimé cette histoire, mais voilà, si vous n'êtes pas tenté pour poursuivre l'aventure, il y a tout à fait moyen de rester sur ce livre-ci sans continuer. Je passe maintenant à celui-ci qui est un petit livre de Stefan Zweig, c'est 24 heures dans la vie d'une femme. C'est un auteur dont j'avais entendu parler assez récemment et ses œuvres m'intéressaient, m'intriguaient. Je suis tombée par hasard sur celui-ci. Le titre m'a interpellée, j'étais curieuse de découvrir ce qu'il en avait écrit. Alors au niveau de l'histoire, il y a un scandale qui va éclater. Une femme mariée et mère de 2 enfants s'est enfouie avec un très jeune homme qu'elle connaît vraiment à peine, seulement depuis une journée, quelque chose comme ça. Avec sa famille, son mari, il passait un petit moment dans un style d'auberge. Donc évidemment, une fois que ce scandale parvient aux oreilles de tout le monde, la majorité va blâmer l'attitude de cette femme, hein, qu'on juge complètement scandaleuse, inconcevable, enfin tous les adjectifs qui peuvent en découler. Et on va avoir un homme qui va prendre sa défense et qui va tenter de comprendre son geste au lieu de juger sans savoir. Et étonnamment, il va avoir l'aide inattendue d'une vieille femme qui va lui conter son histoire. Elle va en fait lui raconter pas toute sa vie, mais une journée bien particulière, une journée précise de sa vie. Et c'est cette histoire donc qu'on découvre au fil des pages. C'est vraiment un tout petit roman, ça se lit vraiment très vite. Il y a une centaine de pages, il y a 120 pages pour cette petite histoire. J'ai bien apprécié, c'est une lecture différente évidemment, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai bien apprécié la découverte. Ici on va donc parler d'une femme qui va oser s'exposer aux avis et aux critiques, qui va dévoiler vraiment une histoire personnelle, une histoire privée de sa vie à un parfait inconnu.
Il y a la thématique évidemment de l'importance de ne pas juger autrui sans savoir. D'avoir un esprit quand même ouvert, de ne pas se lancer directement dans des jugements hâtifs. J'ai vraiment trouvé ça très bien, c'est une très très belle plume. J'ai vraiment beaucoup aimé le style de Stéphane Zweig, donc je pense que je tenterai sans doute d'autres ouvrages pour le découvrir un petit peu plus. La lecture suivante, c'est celui-ci, Alabama 1963. Je vous en avais déjà parlé également, il me semble, dans la vidéo précédente, parce que c'était ma lecture en cours aussi. Je l'ai terminé depuis. Nous sommes donc à Birmingham, en Alabama, en 1963, bien sûr. Une petite fille noire a disparu depuis quelques jours et la police ne fait pas beaucoup d'efforts pour la retrouver, pour mettre des choses en place pour la retrouver. Un jour, son corps sans vie va être découvert. La police se sent toujours pas très concernée, mais ensuite, on a d'autres petites filles qui vont disparaître également. Un détective privé va donc être engagé pour mener cette enquête. Ce détective privé se nomme Bud Larkin, qui est un homme blanc, alcoolique, raciste et continuellement de mauvais poil. Donc c'est un personnage assez, assez particulier. Et dans cette enquête, il va en fait être aidé par Adela. Adela qui est une femme de ménage noire. Et ils vont se lancer dans cette enquête. Donc c'est vraiment le duo improbable. Pour cette époque, c'est inimaginable vraiment d'avoir ces deux types de personnes associées. Une personne blanche avec une personne noire, c'est vraiment inconcevable. Mais ils vont se lancer dans cette enquête étant donné que ça leur tient tous les deux à cœur. Il va y avoir pas mal de dangers vu que ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette histoire, la relation entre ces deux personnes que vraiment tout oppose va tout doucement se construire. Il y a une relation intéressante qui va en découler. L'enquête aussi est très bien menée, donc ça a amené comme un roman policier. Les pages se tournent vraiment toutes seules. L'ambiance de cette époque, donc de 1963, se ressent vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. Également cette histoire, La Reine sans Royaume, qui est le troisième tome qui vient de sortir. Donc les premiers tomes, on avait Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Je les ai tous les deux, ils sont derrière moi. Ils sont un peu cachés, mais on les retrouve hop, ici, 1 et 2. J'avais dévoré ces deux premiers tomes et j'avais hâte d'avoir le troisième sortir. Donc j'étais très très impatiente de le lire à sa sortie, ce qui évidemment... chose faite. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce troisième tome, rassurez-vous, bien entendu. Je vais un petit peu vous placer dans le contexte de cette saga. C'est l'histoire de Jude, qui est une jeune fille, donc une jeune mortelle, qui a été enlevée quand elle était petite et qui vit maintenant avec les Fae. Donc, ce sont des créatures magiques, des créatures immortelles. Il y a une certaine fascination par rapport à ces créatures, surtout d'un point de vue humain, mais il y a un hic, c'est que ces créatures sont également très dangereuses. Elles sont assez cruelles avec les humains. On a Jude avec ses sœurs qui vivent dans ce monde, dans cet univers. Et Jude fait de son mieux pour s'armer face à cette nouvelle vie dans la cité des Fae, qui s'appelle Terra Fae. Elle maîtrise les armes, donc elle va vraiment s'entraîner un maximum pour pouvoir se défendre. Elle gère donc tout ce qui est armes, elle gère les coutumes aussi, mais c'est loin de suffire, surtout quand elle a un ennemi qui est vraiment très important parce que ce n'est autre que le prince Cardan. Donc c'est un des princes héritiers de la couronne. L'histoire va ensuite un petit peu plus avancer à ce niveau-là. Je m'arrête là pour l'histoire parce que je risque évidemment de vous en dévoiler un petit peu plus. Mais on se retrouve ici dans une saga vraiment géniale. Il y a des sortilèges, il y a des créatures sublimes, il y a des intrigues de pouvoir.
Il y a vraiment tout, tout, tout pour plaire. C'est très, très bien fait. On ne se lasse pas. En tout cas, moi, je ne me suis pas lassée. J'ai vraiment adoré ces trois tomes. Jude est un personnage que j'apprécie beaucoup. Elle fait tout pour s'endurcir dans un monde vraiment cruel. Elle lâche pas l'affaire. Elle est tenace. Elle va arriver à faire vraiment énormément de choses qui, pour une humaine, c'était impossible à la base. Elle est très courageuse, elle se donne vraiment les moyens pour obtenir et atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment une saga à lire, je vous la conseille, c'est vraiment très très bien. J'ai également lu celui-ci, donc c'est L'immeuble de la rue Cavendish, Les Manigances de Margot. C'est le premier tome, c'est ici aux éditions Les Escales et ça a été écrit par Caroline Kant. C'est un petit livre que j'ai découvert tout à fait par hasard et j'avoue que c'est la couverture qui m'a plu. Je trouvais que la couverture était jolie. Le titre m'a ensuite intriguée. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture, donc j'ai foncé dedans sans savoir. Alors au niveau de l'histoire, on a Margot qui, après une rupture vraiment difficile, va emménager au quatrième étage de cet immeuble, l'immeuble de la rue Cavendish. Donc cet appartement appartient à son oncle qui le lui prête pour qu'elle puisse se remettre de sa rupture. Et dans cet immeuble, elle va faire la connaissance de ses voisins et découvrir que cet immeuble ne manque vraiment pas d'animation. C'est un immeuble où on n'est vraiment pas tranquille. Chacun vit un peu les uns chez les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de passages. On n'est pas dans une ambiance privée. Donc tout se passe assez bien. Hein. Elle se fait des amis parmi ses voisins. Elle commence tout doucement à se remettre. Et à un moment donné, elle va entendre des bruits vraiment inquiétants qui proviennent de chez ses voisins du dessus. Ses voisins du dessus, c'est un couple bon, assez calme de base. Ils ne sont pas très bavards, ils sont assez discrets, surtout la femme. Le problème, c'est qu'il y a assez souvent des bruits de disputes, de bagarres. Et apparemment, c'est assez violent comme dispute. Donc Margot s'inquiète, mais elle ne sait vraiment pas trop quoi faire, comment aider ses voisins et principalement sa voisine, étant donné qu'elle craint que son mari soit violent avec elle. Donc elle va s'inquiéter de plus en plus et elle va décider d'y mettre son grain de sel. Donc on va suivre Margot qui va essayer de découvrir ce qui se passe exactement chez ses voisins du dessus. C'est un chouette moment lecture, franchement j'ai bien apprécié. Ça se lit tout seul. L'intérieur est vraiment aéré, il y a un peu moins ou un peu plus, voilà, un peu moins de 300 pages, il y a 190 pages, quelque chose comme ça. Donc ça se lit vraiment très très rapidement, l'histoire est fluide, la plume est agréable. J'ai bien aimé le personnage de Margot, a un petit côté obsessionnel qui par moments m'a un peu dérangée. Il y a des moments où j'ai eu un peu envie de la secouer en lui disant d'un petit peu à se recadrer et penser à sa vie, parce qu'elle a un peu tendance à s'éparpiller quand les choses commencent à aller bien pour elle. On dirait qu'elle elle torpille en fait les petits moments de bonheur qui viennent à elle, donc ça m'a un petit peu agacée. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai apprécié cette histoire. Moi personnellement, je ne pourrais pas habiter dans cet immeuble, j'avoue. Parce qu'avoir les voisins comme ça qui entrent à ce point dans la vie des uns des autres, c'est un petit peu trop pour moi. Mais bon, ça m'a semblé assez familier, étant donné que moi-même j'habite dans un appartement et que c'est un peu compliqué à certains moments avec certains voisins. Au niveau des bruits et du dérangement de manière générale, mais bon, je suppose que c'est le lot de chacun. Mais cette lecture m'a bien plu de manière générale. Il y a un tome 2, il me semble, qui est déjà sorti. Peut-être que je continuerai, je ne me suis pas encore fait une idée à ce niveau-là. J'ai bien aimé cette première lecture, mais je ne sais pas si j'ai assez aimé pour continuer à suivre les aventures de Margot spécialement. Enfin, j'ai fait cette lecture-ci qui était également une de mes lectures en cours dont je vous en avais un peu parlé dans la vidéo précédente. Je l'ai terminée, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette lecture.
On a donc le personnage de Jane qui emménage avec son fils Ziggy dans une nouvelle ville. Une nouvelle ville qui semble un petit peu BCBG. Elle est mère célibataire, elle va faire la connaissance d'autres mères, notamment Madeline et Céleste, avec lesquelles elle va devenir amie. Leurs enfants vont tous dans la même école, qui est une école apparemment réputée, qui a un très bon niveau. Et toute l'histoire va commencer suite à un jour particulier dans cette école. Donc Ziggy vient d'arriver, il commence sa rentrée scolaire à la sortie de l'école. Toutes les mères viennent chercher leurs enfants. Et une petite fille va désigner Ziggy comme étant son agresseur, entre guillemets. Donc, il y a eu un accident. La petite fille dit qu'elle a été étranglée. Donc, un enfant a tenté de l'étrangler. Et le coupable désigné par cette petite fille est Ziggy. Donc, grand moment de solitude pour Jane. Parce que son fils, habituellement, est un enfant agréable, gentil. Cet événement va prendre des proportions incroyables. Les mères vont commencer à prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Et cette situation va vraiment s'envenimer de plus en plus. Je m'arrête là pour l'histoire, pour le contexte de l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. On découvre vraiment ce que cachent les familles de quartier résidentiel, qui de façade sont des personnes qui semblent vraiment parfaites, qui semblent avoir des vies parfaites, mais en fait la réalité elle est bien bien différente. Chacun a ses petits secrets, chacun a ses petits travers, il y a de la violence qui peut se cacher, il y a des mensonges qui peuvent se cacher. J'ai vraiment bien aimé aussi la plume de l'auteur. Je vous avais expliqué que j'avais d'autres livres d'elle qui m'attendaient dans ma pile à lire, donc je suis assez contente. Je vais en lire d'autres avec grand plaisir, parce que si c'est aussi bien que celui-ci, je ne vais pas être déçue pour la suite. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette ambiance de secrets, de choses cachées. C'était vraiment très très bien amené. C'est vraiment à la toute fin qu'on a tout le développement, qu'on a tous les liens qui se font, qu'on a toutes les explications. C'est vraiment excellent comme livre. Voilà, on a fait le tour pour mes lectures de la semaine. Je vais encore vous parler des lectures qui sont en cours. J'ai commencé celui-ci, donc c'est La sirène, le marchand et la courtisane. C'est écrit par Imogène Hermès Goar et on est aux éditions 10-18. Alors, je ne savais rien de cette histoire, c'est vraiment la couverture que je trouvais vraiment super belle, qui m'a interpellée quand je l'ai vue. Donc j'ai craqué, je l'ai pris et je l'ai commencé directement. J'ai lu pour l'instant une centaine de pages à peine, mais j'aime bien. Donc on est dans les années 1785. On va suivre l'histoire d'un marchand qui attend que son bateau et son capitaine reviennent avec toutes les marchandises qu'il a commandées. Il est très inquiet parce qu'il y a des bateaux qui se sont perdus en mer, c'était apparemment monnaie courante. Donc il est très inquiet pour cette cargaison. Et quand son capitaine arrive enfin, il lui annonce une nouvelle assez étonnante. Étant donné qu'il lui dit qu'il a revendu son bateau, donc qu'il n'a rien à lui ramener à part une créature fabuleuse qu'il a achetée, donc contre le bateau en entier. Et cette créature fabuleuse, c'est une sirène. C'est une sirène qui n'est pas vivante, c'est une sirène morte. Donc il la lui vend en lui disant que ça fera sa fortune si il crée un genre de musée, de cabinet de curiosité où la sirène pourra être exposée, et il lui assure que toute la ville payera le prix pour venir voir cette créature fantastique. Je ne sais pas du tout vers quoi cela va aller par la suite. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, cette sirène a été rapportée. Ils l'ont mise à disposition du public contre argent, évidemment. Et ça commence à marcher. Donc, il y a des gens qui viennent voir. Et ça commence à vraiment devenir l'attraction de la ville. Je pense qu'on est à Londres. Il me semble bien que nous sommes à Londres, donc ça commence à prendre de la proportion. En tout cas, la première journée d'exposition de la sirène a bien marché. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais poursuivre la lecture pour pouvoir un petit peu voir vers quoi cette histoire va me diriger.
pour voir un petit peu vers quoi cette histoire va aller. Mais je suis curieuse de découvrir la suite. Pour l'instant, je suis bien dans l'histoire. C'est fluide, ça se lit bien, c'est intéressant. C'est pas comme s'il se passe des trucs de fou non plus, hein. Je suis à la page 100 et je suis vraiment encore au début de l'histoire. Mais après, je suis pas pressée, j'ai le temps. Il y a presque 600 pages, donc je vais découvrir ce petit livre tranquillement. J'ai également commencé celui-ci qui est un joyeux non-anniversaire. Donc c'est les Disney, écrit par Liz Braswell. Il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. D'ailleurs, ici sur le bandeau de la fin, on a plusieurs livres qui sont déjà à disposition. J'avais lu précédemment le livre reprenant l'histoire de Réponse, que j'avais beaucoup aimé. J'avais envie de me lancer dans une lecture un petit peu Disney, conte de manière générale, et je n'arrivais pas à choisir entre celui-ci et un autre livre qui s'intitule Villaine. Je pense que ça parlait plus de l'histoire de Cendrillon revisité. Étant donné que je n'arrivais pas à faire mon choix, j'ai mis ce choix sur mon compte Instagram et ce sont les personnes qui sont abonnées à mon compte qui ont choisi. Et donc c'est celui-ci qui est ressorti. J'ai déjà commencé mais je suis vraiment pas avancée du tout. Je suis à la page 30, donc vraiment très très peu avancée sur combien est-ce qu'il y en a. Il y en a plus ou moins 470. Donc je suis tout au début, évidemment c'est une revisite du dessin animé Alice au Pays des Merveilles, ça se voit. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'avec 30 pages je ne sais vraiment pas vous en dire grand chose, donc je le continuerai et j'espère vous en parler la semaine prochaine. Et enfin, troisième lecture en cours, c'est celui-ci. J'avais envie de me remettre dans un cosy mystery et j'avais déjà lu le premier tome qui s'intitulait... qui s'intitulait Chou à la crime, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment apprécié ce premier tome de ce style de cozy mystery. C'est de l'auto-édition et j'avais découvert cela tout à fait par hasard, mais étant donné que j'accroche bien, j'ai eu envie de continuer avec le tome 2. Je pense que le troisième tome est également déjà sorti. J'ai commencé, je suis au chapitre 4, donc page 42. On retrouve les personnages qu'on avait dans le premier tome. Donc on a de nouveau le personnage de Gemma Rose, qui est la propriétaire d'un salon de thé. Elle est aidée dans ce salon de thé par une de ses amies qui s'appelle Cassie. Et ici, l'histoire commence à une exposition artistique dans une galerie. Apparemment, Cassie a un talent artistique et ses œuvres sont exposées lors d'une soirée dans cette galerie. Donc évidemment, Gemma, je ne sais pas comment on prononce, a été invitée pour l'inauguration. Ça se passe bien jusqu'au moment où il y a une femme qui arrive, une femme assez ivre, qui commence un petit peu à déranger la fête. On va lui servir un thé pour essayer de la calmer et quelques secondes après, elle va tomber raide morte, bien évidemment. J'en suis à peine là, donc cette enquête va commencer. Je suis contente de retrouver le personnage de Gemma que j'avais bien apprécié dans le tome 1. On va également retrouver un inspecteur qu'on avait également vu dans le premier tome. Je vous en dis pas plus à ce sujet si vous n'avez pas encore pu lire le premier tome. Je vais poursuivre cette lecture et à mon avis je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est pas un livre qui est vraiment très gros. Donc il y a beaucoup de chances qu'il soit fini pour la semaine prochaine. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures de la semaine, on a fait le tour de mes lectures en cours. Je vais vous laisser et continuer à lire un petit peu les trois romans que je viens de vous présenter. J'ai envie d'avancer un petit peu parce que je trouve que ces lectures sont vraiment très agréables. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon week-end. J'espère que vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés. Je serais très curieuse d'avoir votre avis également. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et à très très bientôt.